Ah, c'est toi, justement. Je t'attendais. Hop, excuse-moi, hop. Ah, bah dis donc, écoute, voilà, je te parle comme ceci. Hop, oui, alors écoute, je voulais te voir parce qu'on n'arrête pas de me demander c'est quoi le. Qu'est-ce qu'il y a dans le stage de David Starr? Qu'est-ce qu'il y a dans le stage de David Starr? Donc alors, je récapipète rapidement. David Starr, c'est qui? C'est l'un des catcheurs les plus importants du circuit américain, de l'indie américain, excuse-moi. David Starr, c'est la Ring of Honor, c'est la TNA, c'est la CZW. Il est actuellement champion shootgun de la WXW. C'est la fédération, la plus grosse fédération d'Allemagne, si ce n'est la plus grande fédération d'Europe. Comme je te disais, il cartonne aux États-Unis sur tous les rings quasiment indépendants des États-Unis. Il sera exceptionnellement là, dispo chez nous pendant une semaine pour un stage, donc je te dis d'une semaine. D'un stage d'une semaine là, ici, là, en France, tu vois, au sein de ECA. Il va participer également, il fera une apparition dans le show Est à vous 3, c'est-à-dire le school show, le show de clôture du stage du mois de février qui aura lieu du 20 au 24 février. Pardonne-moi, je fais cette vidéo vraiment à l'arrache. Du 20 au 24 février, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Donc c'est 40 heures de formation minimum, à savoir qu'une fois, donc ça comprend l'hébergement, au centre d'hébergement, tu vois, on continue à tourner, on continue à apprendre, tu vois, donc le mec, on va être projeté carrément dans de l'indie américain 100%, parce que le mec, il parle pas du tout français, hein, tu vois, quand il bosse à la WXW en Allemagne, il parle anglais, hein, il doit parler bonjour, au revoir en allemand, c'est tout, donc le mec, jusqu'à maintenant, nos coachs étaient plus ou moins francophones, tu sais, et donc... Je fais ce stage pour... nos coachs étaient déjà très bons, tu vois, tous ils travaillent à l'international, sinon si c'était pas très bon, je te laisserais pas venir. Mais là, on augmente encore plus d'un cran avec David Starr, donc vraiment, si déjà t'as un niveau, ça va vraiment te monter encore plus d'un cran, te monter encore plus d'un cran dans le level, dans la levelitude de la catcherisation, et si t'es débutant, mon pauvre, tu vas avoir la chance de commencer directement avec le sommet du sommet, si tu veux, de la corbeille. À savoir que c'est pas parce que tu travailles pas à la VVE par exemple que t'es mauvais, hein. D'ailleurs, c'est même d'ailleurs les catcheurs indie en termes de catch pur sont meilleurs, hein. C'est pour ça qu'à la NXT ils ont volé toutes les vedettes de l'indie, hein, tu vois, à commencer par Kevin Owens qu'ils ont prostitué en Kevin Owens, et j'en passe bien d'autres, tu sais. Et donc voilà, en gros, je sais pas trop quoi te dire parce que de toute façon, là, voilà, je bloque à 15 places. Donc on va voir, c'est ça. On va voir, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le travail des combos, des combinaisons. On va voir le travail des spots. Tu sais, quand il y a eu Tristan Archer alias Clément Petiot quand il a travaillé à la VVE, on a vu un catch très, très VVE, si tu veux. Là, on va voir un catch très indie, si tu veux, très indépendant, sans limite de rien, tu vois, à fond dans le créatif, à fond dans le catch sportif, mais aussi de divertissement, ça bon voilà, à fond dans le catch indie, si tu veux. Donc je te le redis, travail des combos, travail des spots, tu vas parler donc anglais, voilà, ça va te préparer vraiment, si vraiment tu veux finir sur le ring et quitter. Donc travailler sur tous les rings, travailler avec tout type de partenaires. Donc vraiment, c'est bon, alors c'est le truc qu'il faut faire si tu veux. Donc je limite à 15 places, je limite les inscriptions au 1er février 2017, à savoir que sur 15 places là aujourd'hui, ou la date où j'enregistre cette vidéo, le vendredi 9 décembre 2016, il y a déjà 7 places qui sont prises. Donc de toute façon, les places vont être prises avant la fin de cette date butoir. Donc et limite, si tu me contactes et que c'est pris, tu pourras réserver ta date pour le stage du mois d'avril. Les dates sont pas encore définies, hein, c'est pendant les vacances ça sera pendant les vacances d'avril, la zone scolaire de Lyon.
Donc c'est pareil, hein, je vais faire venir un bombardier, c'est en train de se faire. Voilà, donc si vraiment il n'y a plus de place, tu pourras toujours réserver ta place au mois d'avril. Là, donc voilà, donc tu me contactes à l'adresse mail là, qui s'adresse en dessous. Tu m'envoies une candidature. Une candidature, c'est quoi? C'est un peu d'où tu viens. Si tu n'as jamais fait de catch, c'est pas grave, on peut tous commencer. Tu vois, il y aura deux groupes. C'est pas grave, on doit tous commencer un jour. C'est pas grave, moi ce que je veux, c'est tes motivations. Tu vois, si tu n'es déjà pas motivé à écrire un petit texte, tu ne seras pas motivé, enfin ça m'intéresse pas en fait. Donc passe ton chemin, va voir des vidéos de chats sur Facebook, des trucs faciles à bouffer quoi, tu vois, voilà. Moi je veux que des gens courageux, des gens, voilà, tu vois, voilà, c'est ça. Je veux que des gens hyper motivés. Et d'ailleurs c'est les gens hyper motivés qui vont le plus loin, tu vois. Toi, Clément Petiot, je t'en parlais, tu vois, il vient de sa Picardie natale, tu vois. Si le mec il était pas motivé, il serait pas monstrueusement énorme et il aurait pas fini à la VVE, tu vois. Donc voilà, ou Shana, elle serait pas motivée, elle serait pas la meilleure catcheuse de France, voire d'Europe, en allant lutter aux États-Unis pour tout le circuit indie américain et puis au Japon, tu vois. Donc voilà, tu m'as compris. Et pour ne te citer que ces deux coachs. Voilà, donc tu me envoies ta candidature sur ce petit mail. Voilà, je crois que je t'ai à peu près tout répondu. Ouais, voilà. Donc voilà, c'est ça, spécial combo, spécial spot. Donc 40 heures de formation, l'hébergement est compris. Si tu viens en train, tu me dis à quelle heure tu arrives à la gare de Rumilly, 74, 150, on viendra te récupérer. Si tu arrives en voiture, je te donnerai en gros, en général, un rendez-vous sur les alentours de 18h, 18h30. Je te donnerai un endroit de rendez-vous. Si par hasard, tu viens en avion, on se démerdera, on viendra te chercher à l'aéroport de Lyon ou de Genève, je sais pas, si tu viens de loin, comme c'est parfois déjà arrivé. Voilà, donc en tout cas, on ne te laissera pas mourir sur le bord du chemin, si ça peut rappeler quelque chose. Donc voilà, donc tu me contactes là. Si cette vidéo peut concerner quelqu'un, peut plaire à quelqu'un, là, tu n'hésites pas à la partager. Un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Plus il y a de pouces bleus, plus il y a plus de likes, ça met la vidéo en avant. Voilà, le catch a besoin probablement de toi. Prends soin de toi.